Mais en nous annonçant le pasteur Paul Gilles dans une intervention spéciale en ce jour de célébration des 18 ans de nos chefs. Honorable pasteur, les anciens, nous sommes, mesdames et messieurs, pasteurs bien-aimés, encadrés cet après-midi, le révérend pasteur Thoré Jean-Baptiste, l'homme qui a travaillé, qui travaille encore pour la promotion du créole, si on se rappelle, bonne nouvelle, le travail de cet homme est. Le docteur Jean-François Romain, c'est pour voir le guerrier des Mohicans du monde protestant en Haïti. Le docteur Jacob Bénard est avec eux pour sa femme dans l'Assemblée. Il a un feu dans le cœur pour la passion des âmes et les victimes. Il nourrit du beau air pour le monde président en Haïti. Nous sommes également encadrés de notre professeur de l'éthique, Pasteur Joël Lavoie. Le président la présidence pour l'intendance générale de la direction des écoles du dimanche est avec nous. Le président de la jeunesse est là encore avec nous. Le compastoral, l'ensemble des maïsoubours, des choristes de l'église des stations, le comité des anciens, et là, le maître Emmanuel Reyes, et on me porte ma mémoire de saisir tout le monde. Mais on le remercie de frères et sœurs bien-aimés, parents de l'Église, récipiendaires, la deuxième promotion du club des 18 ans. Chers jeunes, nous sommes tous honorés ce soir. Qu'il lui soit permis de féliciter publiquement le pasteur Josué Mathieu pour avoir nourri cette idée et avec l'encadrement nécessaire, il l'a réalisé. Nous n'allons pas attendre qu'il ne soit plus écouté, qu'il était un bon pasteur, qu'il était un bon capitaine. Nous le félicitons pour ce bon travail. En tant que travail de défricheur, défricher la jeunesse n'est pas facile. Mais quand même, il a eu l'audace. Et nous en sommes maintenant à la deuxième année d'accueil. La structure est là. Et déjà, nous disons que la structure est bonne. Et permettez-moi, professeur Élimé, chers parents, de cette célébration de ce soir, j'appelle la célébration de la vie, célébration des fausses vives de notre Église, célébration de la jeunesse, la mise en valeur de nos jeunes et nuls, rivers
une importance capitale. Parce que l'Église, en tant qu'institution, entend mener jusqu'à vous son combat pour préserver ce qui est capable de préserver, pour conserver la jeunesse. Tandis que vous croisez nos autorités, laisse parmi notre jeunesse, l'Église se veut être la sentinelle de Dieu pour encadrer les jeunes, pour assister les parents. Évidemment, notre concept de l'assistance fait que nous oublions tous nos devoirs, nos responsabilités, nos attendons. Non. L'assistance de l'Église est dans le sens incitatif pour inciter nos jeunes, pour responsabiliser nos jeunes. De telle manière, comme on le dit, beaucoup d'ailleurs. Femme, mari, c'est une garçon pasita, et femme, mari, c'est une. Nous invitons nos jeunes à atteindre leur rêve pour affronter la réalité en tant que projet de décennie. Nous attendons à ce que vous preniez à cœur vos responsabilités à travers les études, à travers la profession, à travers votre consécration, de telle manière que vous deveniez les colonnes de la vérité pour cette Église et pour notre société. Les parents, l'Église travaille à vos côtés. Et comme vous le voyez, cela fait pour la deuxième fois que cette expérience se renouvelle, va se renouveler encore, elle va se perpétuer dans le temps. Une façon de vous dire que quand le moment sera venu, l'Église est disposée à vous suivre, à vous écouter. Mais ne lâchez pas prise. Ne pensez pas qu'avec les 18 ans, il est mort, maintenant il est majeur, maintenant il est grand monde qui est capable d'aller. Non, au contraire. Ça s'habite direct. Mais cependant, vous pouvez compter qu'on y a, sous combo les vies, parce que ouais, l'église a commencé tout ça, en carrément ça, au Seigneur. Et à ce moment-là, vous les jeunes, les étudiants, les 18 ans, à qui le promo sera passé tout à l'heure, sachez que, l'Église a l'œil sur vous. Parce que déjà, vous êtes un collaborateur. Dans quelques temps, vous serez par exemple avocat, infirmière, professeur à l'école secondaire, au primaire ou à l'université. Professionnel, praticien du droit, que autre, vous êtes le devenir de l'Église, vous êtes également le devenir de votre famille, vous êtes le devenir du pays. Gardez-vous des influences nocives. Gardez-vous. Avec votre professionnel, vous n'y arrivez pas. Mais avec ce que je sais, avec le secours de Dieu, à l'instar de Joseph, du David, du Daniel, et d'Ézéchiel, jeunes comme vous, et du Christ, vous y parviendrez. La route est dure. La route est démontée. Mais Dieu saura vous aider, vous épargner des pierres qui pourront s'accumuler sur votre tâche et rendre l'accessibilité difficile. Nous comptons sur vous. Vous pouvez également nous joindre, soit au bureau, soit en utilisant le support, téléphone, email et autres, pour régler tel ou tel problème. Et avec toujours la détermination,
nous serons là pour assister. Mais cependant, l'initiative est de votre ressort. Je vous encourage. Comme la parole l'a enseigné à Timothée, applique-toi, alors je serai avec vous, à la lecture. Pas au chat. Pas à tout le temps. Votre midi avec le matin. Ça vous est bien. Simplement par le jeu. Appliquez-vous à la lecture. Appliquez-vous à l'exhortation. Appliquez-vous à l'écrit. La seule clé pour vous aider à vous tailler votre place dans cette société si rébelle. Que Dieu vous soit donné. Nous aimerions un amen plus convaincant de la part de nos jeunes. Si vous aviez entendu ce que vient de dire le pasteur, bien entendu, est-ce qu'on était obligé de le suivre avec attention? Hein? Nous aimerions avoir un amen de conviction de votre part. Amen. Que le Seigneur vous entende et vous fasse la grâce de concrétiser tous vos rêves. Maintenant, nous sommes avec la chorale jeunesse triomphante. Dans leur second lieu.